Marthe Robin, née le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Galaure, dans la Drôme, dans le quartier de Moyle, est décédée le 6 février 1981. C'était une femme française, mystique, inédite et stigmatisée. Marthe Robin est la sixième et dernière enfant de paysans ni pauvres ni riches, de chrétiens plus ou moins pratiquants. Marthe Robin a passé sa vie dans la maison familiale de son petit village rural. Son père, Joseph, était un agriculteur de bonne humeur, pas très religieux et ne va qu'à la messe le jour de Pâques et de grandes fêtes. Même si vers la fin de sa vie, par l'exemple via sa fille extraordinaire qu'était Marthe Robin, a une profonde conversion et est mort sainement selon une déclaration faite par Marthe. Quant à sa mère, Amélie Célestine Chausson était une femme au foyer heureuse et gracieuse. Et sa mère, tout comme son mari, n'était pas initialement dévouée à la pratique religieuse. Mais elle a eu, elle aussi, une profonde conversion vers la fin de sa vie, une fois de plus sans doute, sous l'influence sainte de l'exemple de Marthe. Marthe Robin grandit normalement. Études primaires, travaux dans la ferme familiale, catéchisme en paroisse. Rien d'exceptionnel. Mais elle est volontaire et dynamique. Elle est entière et ne se contente pas de demi-mesure. En 1903, une épidémie de fièvre, typhoïde, saisit presque toute la famille. Une sœur de Marthe, considérablement affaiblie par la maladie, décède alors. En matière de santé fragile, depuis son enfance, en 1909, Marthe Robin entreprit le chemin de l'école, mais sa santé l'empêcha de terminer ses études. Le 15 août 1912, sa première communion lui laisse un souvenir ému. Je crois que ma communion a été une prise de possession de notre Seigneur. Je crois qu'il s'est emparé de moi à ce moment-là. Cette réaction est assez normale chez de nombreux enfants pieux. Or, ce qui est assez spécial chez elle, c'est qu'elle s'ouvre pleinement à la présence de Dieu dans son âme. Cette prise de possession en douceur par Dieu rend Marthe de plus en plus pieuse. Je priais tout le temps. Je lui parlais surtout. Je lui disais des prières trouvées dans un gros missel. En mai 1918, à l'âge de 16 ans, Marthe Robin commença à montrer des signes de maladie, se plaignant de violents maux de tête, une douleur terrible qui ne cessera de progresser. Le 25 novembre, elle s'effondra dans sa cuisine. Elle était incapable de se relever sans aide, et ce qui donc se révélera être une encéphalite léthargique, résultant de la fameuse grippe espagnole qui fit plus de ravages en Europe entre 1918 et 1930 que la guerre de 14-18 elle-même. En décembre, elle tomba 4 jours dans le coma. Les médecins la considéraient comme perdue et elle reçut donc les derniers sacrements. La crise dura plus d'un mois, puis elle régressa. Mais en juillet 1919, les céphalées et les douleurs oculaires apparurent. Contractures musculaires, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles de la vue, jusqu'à la perte de la vision pendant quelques mois. On l'aide comme on peut, on lui fait faire des piqûres et on lui fait sucer un peu de chocolat, considéré à l'époque alors comme un médicament, bien qu'elle puisse absorber du liquide. Les médecins de Saint-Vallier et un spécialiste de Lyon, amené par le docteur Pagnon, se succédèrent à son chevet. L'été n'arrangera rien, Marthe Robin perdait souvent conscience. Une paralysie des jambes et même de la main droite y vient s'y ajouter. Sa crise dura 27 mois avec des périodes de rémission, et c'est alors que le premier événement étrange se produisit tel que elle-même le raconta par la suite au docteur De Chaume et Ricard qui le rapporte ainsi. Le 20 mai 1921 se produisit, sans raison particulière, la première apparition de la Sainte Vierge, dont Mademoiselle Robin fut par la suite maintes fois favorisée. Madame Robin et une des filles, qui étaient présentes, ne doutèrent pas de la réalité de la chose. Il s'en est suivi de nombreuses tentatives de traitement médical, mais en vain. La maladie reprend de nouveau en novembre 1921. Et en même temps que la maladie progresse, Marthe Robin a également progressé dans sa vie spirituelle. Elle devient une grande malade pour la vie. Mais ce n'est évidemment pas Dieu qui la rend malade, car ce n'est tout simplement pas la volonté de Dieu. Il s'agira d'un phénomène naturel qui ira s'accentuant et qui nous permet de mesurer l'héroïsme de sa vie.
car avant d'être une stigmatisée et une visionnaire, elle était un être de chair et de sensibilité, qui souffre et qui connaît comme beaucoup d'entre nous l'épreuve de l'humiliation d'une maladie invalidante, mais qui lutte quand même pour reconquérir son intégrité et la santé. Car Dieu donne la vie, non pas la maladie. Pour Marthe Robin, sa maladie qu'elle ne parvient pas à guérir devient le creuset dans lequel l'Esprit Saint la piétrit pour la conformer au Christ. Cela se fait au début de la nuit de la foi, sans le réconfort de faveurs sensibles. Elle cherche alors à profiter de remèdes, des traitements, et accomplit même alors deux pèlerinages, commençant à se découvrir une vocation particulière à la souffrance. En 1922, après avoir reçu l'extrême onction, son état s'améliora. Elle put marcher avec des béquilles. Elle a 20 ans lorsqu'elle vit sa première expérience mystique et reçoit un appel à offrir sa vie pour la conversion des pécheurs et la sanctification des âmes. Le 15 octobre 1925, elle écrivit sa consécration totale à Dieu. Je me remets à vous sans réserve et sans détour. Marthe Robin s'est offerte, inspirée par l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, et elle s'offre comme victime à l'amour miséricordieux. Dès son enfance, Marthe Robin avait toujours cette remarquable tendance à la dévotion religieuse, bien qu'au contraire d'elle, ses parents et sa famille n'étaient pas très catholiques et très pieux. Pendant que la maladie avança à grands pas, elle s'épanouit dans sa vie spirituelle, et elle a été très inspirée, édifiée par l'autobiographie de la vie de la Petite Fleur, de Sainte Thérèse de Lisieux, qui a été canonisée le 17 mai 1925 par le pape Pie VI. Le 3 octobre 1926, Marthe Robin tomba gravement malade le jour de la première célébration de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait été sanctifiée l'année précédente. Le docteur Aristide Salier, de Saint-Uze, est venu à la plaine pour rencontrer Marthe, qui se retrouvait déjà dans le coma. Il n'y a rien de plus qui peut être fait. Le curé de la paroisse, le père Faure, ne peut remplacer le médecin de Marthe pour administrer le sacrement des malades à son « paroissien », comme il l'appelait. Et c'était la deuxième fois qu'il l'avait reçu. Tout le monde s'attend à ce que chaque jour, la mort vienne emporter Marthe Robin. Et en effet, Marthe entre alors en agonie et dura durant 3 semaines dans une sorte de coma sans rien pouvoir absorber. Puis, elle reprit connaissance à nouveau et déclarera à sa famille stupéfaite « Je crois que je ne vais pas mourir. J'ai vu Sainte Thérèse. Je l'ai vue. 3 fois. Elle m'a visité. » Dès le début de l'année 1928, lorsque sa mère lui avait apporté une tasse de café, Marthe Robin l'avait tout de suite refulée hors de sa bouche. Même pas du café qui, pourtant jeune femme, elle appréciait beaucoup. Madame Robin gémissait en disant « Regardez ma petite fille, dans quel état elle est. » Et le père de Marthe, Joseph Robin, pleurait en disant « Mais elle n'a rien fait de mal. » À partir du 25 mars 1928, ses jambes restèrent définitivement paralysées. Mais ce qu'il est impérativement important de savoir dans toute la vie de Marthe Robin, c'est qu'elle va vivre pendant 50 ans sans manger, sans boire et sans dormir, chasselant tous les médecins qui l'ont examinée. Ils ont tous confirmé qu'il n'y avait aucune explication scientifique pour ce qui lui arrivait. Quelqu'un qui ne boit pas et qui ne mange pas ne peut tenir qu'entre 3 jours et 8 jours en moyenne chez quelqu'un en bonne santé, de la quarantaine, sans problème extérieur. Il dit, je le crois, que, parce que j'avais fait une enquête, vous savez, sérieuse, qu'elle ne peut ni manger ni boire. Oui,
C'est vrai qu'on lui donnait une cuillère à café, ça ressortait par les narines. Bon, pourquoi? Parce que son encéphalite avait fichu en l'air, il s'appuie de déglutition, et c'est vrai qu'elle ne pouvait pas avaler. Et ses fonctions digestives étaient arrêtées. Un individu qui serait brutalement privé, ne serait-ce que de 70% de ses apports alimentaires, entre tout de suite dans une carence protéique importante et sa survie ne dépasse pas 20 jours, vous voyez. Pas tenir 50 ans sans rien, c'est pas possible. Petit à petit, donc, elle reste au lit, bon, ça va bien, mais tout d'un coup, elle ne mange plus. Alors, oui. Comment est-ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir, quel regard il faut avoir sur cette maladie et sur ce côté un peu miraculeux? Alors, il y a donc une encéphalite, mais avec tout un domaine un peu infectieux. Et en fait, pourquoi elle ne mange plus, c'est pas qu'elle n'ait pas faim, c'est pas qu'elle ne goûterait pas les choses, mais elle ne peut plus déglutir. Elle ne peut plus déglutir, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, elle entre dans un jeûne qui est non voulu, hein, qui finira par être accepté, parce que c'est ça qu'il faut bien voir dans la vie de Marthe, c'est qu'il y a toute une progression. Comme dans la vie des grands spirituels, on voit bien qu'il y a la progression, il y a l'âme et petit à petit prise, et à ce moment-là il y a des purifications qui se font, mais c'est pas à 16 ans que Marthe a dit tout de go, ça y est, c'est fini, tout à Jésus. Oui. Il y a eu du combat, c'est un véritable combat à vue humaine. Ce que cette jeune femme, cette jeune fille vivait là, ça aurait pu être un naufrage, un véritable naufrage. Et donc il n'y a pas eu naufrage, parce que petit à petit il y a eu chez cette âme-là qui était quand même un peu choisi. Quand on dit choisi, c'est pas forcément à cause de ses mérites, mais par exemple, lorsqu'elle parlera de sa première communion, ce qu'on appelait la communion privée, déjà il y a une emprise du Seigneur. Mmh. Alors petit à petit, cette petite fille est formée, y compris par la nature, qui est un livre ouvert qui parle de Dieu, pour elle est très très proche de la nature. Et donc cette jeune fille, à 16 ans, se retrouve là, avec une maladie extrêmement invalidante, qui lui donne beaucoup d'incapacité. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est ça. En juillet 1928, on fit faire, à la demande de Marthe Robin, un divan court qui coûta 600 francs à Joseph Robin. Les oreillers empilés lui permirent d'avoir le buste et la tête presque droit. Ceci lui permettait de broder, de lire ou écrire encore quelque temps. Un grand oreiller calait aussi ses deux jambes, qui étaient repliées sous elle. Le 2 février 1929, Marthe Robin perdit également l'usage de ses bras et de ses mains. On peut lire dans le rapport médical du mois de juin. Il y a quelques mouvements des phalanges et des doigts, juste assez pour pouvoir glisser les grains d'un chapelet. Et ce n'est qu'en décembre 1928, lors d'une mission prêchée dans sa paroisse, que Marthe Robin a clairement compris que la maladie avait donc été le but de sa vie, et qu'elle avait été appelée à servir Dieu en s'unissant sans cesse au mystère de la passion du Seigneur pour le salut des âmes. En 1929, Marthe Robin devient quadriplégique et souffre d'une paralysie totale de l'appareil digestif, atrophiant son œsophage, ne pouvant donc avaler aucune nourriture. Les mouvements de déglutition l'étaient alors tout simplement impossibles et le restera jusqu'à sa mort en 1981, soit pendant 52 ans. En 1930, Marthe Robin entre dans le Tiers Ordre Francisien. Et un mois plus tard, Jésus lui apparaît. Marthe aura dit que, après bien des années d'angoisse et après bien des difficultés, y compris physiques que morales, Jésus-Christ l'avait choisi. 52 années de martyr, cloué au lit, souffrant silence dans la résignation la plus entière à la sainte volonté de Dieu. 52 années de calvaire et d'amour à l'abandon foudroyant du Christ. Il s'agissait ici, par rapport à Marthe, d'une âme si simple et humble que Dieu avait choisie pour élever une union des plus parfaites à la passion de Jésus. À partir de 1930, chaque vendredi, Marthe Robin reçoit les stigmates d'une façon si intense que le sang lui sortait du front, des yeux, des pieds et des mains, et tombe dans un état de mort apparente en revivant mystiquement dans son propre corps ainsi que son âme chacun des tourments endurés par Jésus le soir du Jeudi Saint jusqu'à l'heure de sa mort.
Ça commençait par des maux de tête intenses qui partaient du centre du cerveau, qui s'irradiaient jusqu'au niveau de la calotte crânienne. Pendant une heure et demie environ, et j'ai vu plusieurs patients chez elle, et apparaissaient sur le front des turgescences dermiques, c'était sous-épidermique, comme des veines qui se gonflaient, si vous voulez. Et mon Dieu, pour aboutir, ce que nous savons. Il y a quelque chose qu'il faut quand même dire aussi. C'est vrai qu'il y a la croix, il y a la passion du vendredi, mais ensuite, il y a une forme d'extase où elle n'est pas malheureuse. Oui, oui, oui. Elle n'est pas malheureuse, elle ne vit pas que la croix, ce serait insupportable. Il paraît que médicalement, d'après un grand médecin des soins palliatifs, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'au moment où normalement on meurt. Elle est allée jusqu'au bout. Mais ensuite, elle vivait une sorte de bonheur dans cette extase. Et c'était le père Finet qui la ramenait à une vie plus réelle. C'est vrai qu'on a vite fait de transformer quelqu'un comme ça en paranormal ou en extraordinaire. Or, je crois que la vie de Marthe est marquée par aucun extraordinaire. Elle a eu les stigmates, c'est pas extraordinaire, c'est le Seigneur qui lui les met. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'extraordinaire et qu'elle a manifesté dans sa vie? Alors, quand on parle de paranormal, moi, je suis tout à fait opposé à ce qu'on dise des choses pareilles. Parce qu'il n'y avait rien de paranormal dans sa vie. Quiconque l'a connue, quiconque l'a fréquentée, les personnes qui étaient autour d'elle n'ont rien trouvé de paranormal en elle. Elle a été d'un bon sens extraordinaire. Le paranormal, c'est le contraire du bon sens, souvent. Or, ce qui caractérise Marthe, je crois que c'est son bon sens. Quand on lui posait une question, elle répondait toujours avec un bon sens humain qui était premier et qui permettait d'avancer jusqu'au spirituel. Elle partait pas du spirituel saupoudré comme ça, elle partait de l'humain. Et je crois que là, c'est cela qu'il faut remarquer chez Marthe. Elle n'a pas fait des choses. Elle a vécu, on pourrait dire, une vie. Elle a vécu sa vie d'une manière extraordinaire, mais c'était une vie ordinaire. Mais d'une manière extraordinaire, parce que porter tout ce qu'elle a porté, souffrir tout ce qu'elle a souffert, prier comme elle a prié, participer à la passion du Christ comme elle l'a fait, c'est extraordinaire, mais c'était sa vie ordinaire, finalement. Le premier symptôme, c'est qu'elle est tombée dans la cuisine. À partir de là, la maladie s'est déclenchée. Elle a eu une encéphalite, d'après tout ce que nous pouvons savoir, qui a évolué, en fait, probablement toute une partie de sa vie, sinon toute sa vie, qui s'est traduite par des douleurs affreuses au niveau des membres, au niveau de l'intestin, au niveau de la tête, donc une paralysie progressive des jambes, ça ne s'est pas fait d'un coup. Et donc elle a énormément souffert, jusqu'à pousser des cris. Et le moindre rayon de lumière la faisait souffrir, voire évanouir. On ne peut pas supporter. Bon, la rétine avait été complètement, entre guillemets, bousillée. Alors, mais de cela, quand on allait chez elle, on n'avait nul soupçon. Nul soupçon. Le seul signe extérieur, c'était l'obscurité. À partir de 16 ans à 26 ans, elle était prise dans une spirale de maux abominables dans lesquels elle était de plus en plus paralysée, dans lequel elle ne pouvait plus manger, elle pouvait parler, mais elle finissait par ne n'y voyait plus, ou elle ne supportait plus la lumière, et elle souffrait atrocement. Marthe Robin s'est donc complètement abandonnée à l'amour de Dieu vers 1940. Elle avait commencé, à 28 ans, en 1930, à expérimenter les premières grâces d'union à Dieu. Ces grâces qui répondent à sa soif d'être aimée. Mais auparavant, elle avait été laissée qu'elle-même, et sa vie n'était qu'isolement et silence ponctué de trop rares visites. Elle découvre dans l'offrande de ses mots un mode privilégié de l'union à Dieu. Mais cela ne s'est pas fait sans déchirement, sans un radical renoncement à son « moi ».
Elle n'offre pas ses souffrances parce que Dieu les appréciait. Non, elle les offre parce qu'elles sont pleines d'abandon et d'amour. Car c'est l'amour qui transforme tout en elle. C'est en effet seulement l'amour qui sauve le monde de la folie du vide et de la haine. Marthe Robin se retrouve donc réduite à vivre dans une totale dépendance. Elle sait vraiment ce qu'est la toute petitesse. Très influencée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Marthe Robin reçoit cette parole de Jésus lui-même. Oui, ma bien-aimée, je t'ai choisie entre toutes parce que tu as la petitesse et la simplicité qui ravit mon cœur. C'est la plus petite âme, la moins en vue, celle qui s'ignore le plus, que je veux pour mes plus grands desseins. L'Eucharistie est le sommet de la vie intérieure parce qu'elle introduit l'âme dans l'union transformante. Je ne saurais jamais exprimer ce qu'est une âme saisie dans les ravissantes étreintes de la divinité. L'union est tellement entière que je suis comme toute liquéfiée en Jésus, ne faisant plus qu'un avec lui, dans l'amour et dans la contemplation. Je ne conseillerais à personne de se contenter d'une hostie par semaine et de 3 gouttes sur les lèvres pour les décoller, dites, au bout de la langue. Donc ce n'est pas possible, mais on ne vivrait pas. Or, elle a vécu 50 ans. Pour parler, pour sourire, pour rire, pour grimacer, pour faire n'importe quelle mimique du visage, il faut contracter les muscles. Et pour contracter les muscles, on en revient toujours au même problème, il faut de l'énergie. Avoir de l'énergie, c'est avoir de la matière première, donc s'alimenter ou boire. Et ce n'est qu'en 1933 que Marthe Robin a une nouvelle série de la vision du Christ, qui lui précisa donc la mission de sa vie, comme il est rapporté dans le journal de l'Alouette d'août 1981. C'est alors que Jésus me parla de l'œuvre splendide qu'il voulait réaliser ici, à la gloire du Père, pour la régénération du monde tout entier, par l'enseignement religieux qui serait donné et dont l'action surnaturelle et divine s'étendrait dans tout l'univers. Ce foyer de mon amour sera connu des points les plus reculés de la terre. Il me désigna l'endroit précis où il désirait réaliser son œuvre et qu'il fallait acquérir. Cet endroit était le château fort du XVIe siècle des comtes de Montchenu. Malgré les difficultés de l'époque, dans un pays aussi anticlérical, l'abbé Faure réussit à acheter pour la paroisse la batterie centrale en ruine du château afin d'y installer une école privée. Et sous son impulsion, fut ouverte le 12 octobre 1934 une école chrétienne pour filles, suivie plus tard d'un collège et d'une école ménagère. Le 10 février 1936 a eu lieu une rencontre providentielle entre Marthe Robin et l'abbé Georges Finet du diocèse de Lyon. Et c'est par lui que va être fondé les premiers foyers de charité dont il en sera le père. Jésus et Marie demanda à Marthe qui a dit à son prêtre spirituel, le père Georges Finet, d'initier un travail de maison de retraite silencieuse qui se répandrait dans le monde, provoquant donc un bien immense aux âmes. C'était le travail qui devait être appelé les foyers de charité. Elle savait que c'était celui qui devait venir. Mais lui ne le savait pas encore. Et alors, il devait rester 10 minutes, il est resté 6 heures. Et à la fin, elle lui a dit, c'est vous qui allez créer les foyers de charité et d'amour. Donc, dès 1930, on commençait les foyers, avec l'approbation de toute l'Église en 1984, comme étant l'association de fidèles de droit international, dépendant du Conseil pontifical pour les laïcs. Et aujourd'hui, il y a plus de 80 foyers à travers le monde, répartis dans 44 pays. Et tout cela grâce à Marthe Robin, sans avoir bougé de son lit. Chaque foyer est une maison de retraite. En fait, c'est une communauté dédiée à des retraités. Les foyers vivent de façon permanente avec les prêtres et des laïcs, dans une vie de prière, de travail et de silence. Presque monastique. Donc, les buts des foyers de charité étaient des réunions pour des exercices spirituels qui porteraient le témoignage de la lumière
et de l'amour de Dieu par une vie de prière et de travail dans le monde. Les premiers exercices pour femmes commencèrent à l'école le 7 septembre de la même année. Et par la suite, furent proposés des exercices auxquels participaient hommes et femmes, ce qui est alors une grande nouveauté. Le 17 mai 1948, un bâtiment propre était construit à Châteauneuf-de-Galaure pour les foyers de charité. Être dans un foyer de charité, c'est comme être dans un lieu surnaturel, ce qui est assez difficile à expliquer. En entrant dans le foyer, vous avez l'impression d'entrer dans un autre monde. Il est presque possible de se sentir comme Marthe qui semble être encore présente avec nous, en accueillant chaque personne qui souhaite y entrer. En fait, Jésus a demandé à Marthe Robin qui souhaitait s'exprimer en disant que les foyers de charité étaient la maison de son cœur ouvert à tous. Marthe Robin était très préoccupée par les plus démunis et ne souhaitait que fabriquer et expédier toutes sortes de matériaux pour le travail missionnaire visant les pauvres, les malades et les détenus. L'œuvre de Marthe Robin s'est entre autres répandue au Québec, à Sutton, en Estrie, à l'île d'Orléans, près de Québec et dans la région de Chicoutimi. À partir de 1940, Marthe Robin est paralysée des quatre membres et devient aveugle. Et c'est dans cet état terrible de paralytique qu'elle recevra d'innombrables visiteurs. On dit que 100 000 visiteurs de toutes les parties du monde se sont installés à son chevet jusqu'en 1980. Marthe Robin vit recluse dans la chambre de la ferme familiale, alitée en permanence, ne boit pas, ne dort pas et ne se nourrit que d'hosties consacrées. Chaque semaine, dans la nuit du jeudi à vendredi après-midi, Marthe Robin, à travers la passion de Jésus, a elle-même senti ce que Jésus a souffert physiquement et moralement le jour de sa mort. Après 15 heures chaque vendredi, Marthe Robin tomba dans un état de mort apparente en ne donnant pratiquement aucun signe de vie jusqu'à dimanche, le jour de la résurrection de Jésus. C'était comme si Marthe était morte et ressuscitée chaque semaine, tant si bien que quand elle était morte de ce fait, beaucoup de gens doutaient qu'ils allaient l'enterrer vivante. Marthe Robin recevait l'hostie au maximum deux fois par semaine. Il est dit qu'elle ne les avalait pas. Des médecins auraient constaté à ceux qui étaient présents auprès d'elle que l'hostie se précipitait des doigts du prêtre vers Marthe Robin et disparaissait immédiatement au contact de sa bouche. Jésus a dit à Marthe une de ses envies, comme elle le confie à son père spirituel, le père Finet, qui après la Vierge Marie, personne n'a jamais participé ou participeront à la fois dans sa douloureuse passion comme l'a vécu Marthe Robin. Il est donc compréhensible par conséquent la rage violente de Satan contre cet élu qu'était Marthe Robin. Marthe a été violemment frappée par une main invisible. L'abbé Finet, prêtre invitant qui lui ne croit absolument pas au diable, a été témoin lui-même de ses propres yeux des scènes étonnantes d'horreur qui se sont déroulées là-bas. Et le plus singulier de ces violences endurées auprès de Marthe par Satan, c'est que Dieu a permis au diable d'aller effectivement à la fin de leur cruauté. Marthe Robin est morte assassinée par le diable lui-même dans l'après-midi du vendredi 6 février 1981. Retrouver Marthe le lendemain, hors du lit, des dents cassées, des bosses sur le crâne. Rappelons qu'elle était totalement paralysée, ce n'est pas elle qui pouvait s'échapper de son lit. Avant d'entrer dans cette béatitude dernière et de sa fin de vie, Marthe Robin mit en garde son confesseur que cette fois, Dieu permettra que le diable puisse aller jusqu'au bout. Et en effet, la soirée du vendredi, quand le père Finet entra dans la chambre de Marthe, elle a été retrouvée jetée sur le sol, sans vie. De retour à la vie de Marthe, il est très intéressant de se référer au témoignage du philosophe Jean Guiton, qui l'a visité et est étonné par ce qu'il a vu. Jean Guiton dit lui-même:
C'était une paysanne française qui, depuis 50 ans, n'est pas allée à l'épicerie ou achetait des boissons, ne se nourrissant que d'Eucharistie. Et tous les vendredis, nous avons revécu les stigmates de la douleur de la passion de Jésus. Une femme qui peut être la plus étrange personne, extraordinaire et déconcertante de tout notre temps. Mais que la télévision du même siècle demeure inconnue du grand public, plongée dans un profond silence. Il y avait dans Marthe des choses invraisemblablement extraordinaires, comme le fait qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne dormait pas, qu'elle ne buvait pas, qu'elle causait avec le démon. Bon. Et puis, quand on parlait à Marthe de ces choses extraordinaires, elle vous disait, les choses qu'on vous raconte sur moi, ça n'a aucune importance. Je n'y attache aucune importance. Marthe, c'est la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Trop de gens ont visité Marthe Robin dans sa petite chambre modeste. Et en tout, elle est apparue comme une sorte de crucifix vivant, une sorte de pâle copie conforme à la passion du Seigneur. Bernard Perroux, dans son livre « La vie de Marthe Robin », a consacré tout un chapitre sur la façon dont ses visites ont été organisées et répertoriées. Nous connaissons les noms des 103 000 personnes qui se sont rendues dans la chambre de Marthe de son vivant et ont eu un entretien avec elle. Ce nombre est évidemment impressionnant et aujourd'hui, 30 ans après la mort de Marthe, comprennent de nombreuses grâces par son intercession. Selon le père Bernard, et ce qu'il peut nous en dire, c'est que des miracles nécessaires pour la cause de la béatification de Marthe Robin ont déjà été accomplis, tant et si bien que personne ne voit beaucoup de propagande autour de la cause de sa glorification. Le délai de l'attente de la béatification de Marthe ne doit pas être la préparation d'un documentaire exhaustif sur sa profondeur, et y compris l'opinion de la science. Après la mort de Marthe Robin, quelques pages d'un cahier ont été découvertes dans lequel Marthe Robin décrivit les souffrances qu'elle a endurées au cours de l'année 1927. Il était impossible de faire le moindre mouvement sans l'aide de ma maman, très dévouée. Non pas que je n'ai pas retenu l'utilisation au moins partielle de mes bras et de mes mains, mais qu'ils étaient devenus très maladroits. Néanmoins, je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il m'envoie. Et en particulier, pour m'avoir laissé au moins cette dernière mobilité, comme une consolation à mes chers parents, et pour que je puisse effectuer une des tâches. Oh, que je ne pourrais jamais travailler, sauf avec lui et pour lui. Pourtant, je me sens comme tout écrasé, à la fois physiquement et mentalement. Tout cela m'angoisse et m'accable. Je ne sais plus comment réagir. Mais, ainsi soit-il. Trop de choses sur ma pauvre personne. Il semble que ce serait mieux pour moi de m'attarder davantage sur tout ce que fait Dieu dans mon âme et pour mon âme, chaque minute. Il me semble que je suis plus une chose très petite dans les bras de Dieu et que je vais le rester jusqu'à ma mort. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec moi, mais je veux tout. Tout est bien qui vient de Dieu et ce qu'il attend de nous. Oui, tout est bon pour moi. Tout est infiniment cher et doux en mon âme, car c'est lui qui le souhaite. Lui qui gère tout cela. Je peux me réfugier dans son cœur en union avec Marie, ma mère que j'aime tellement et que je ne quitte plus. Je sais qu'il ne me chassera jamais. Enfin, Marthe Robin, décédée le 6 février 1981 à Châteauneuf-de-Galaure à l'âge de 79 ans, dépasse tout ce que l'on peut imaginer, tant par de nombreux phénomènes étonnants que par la splendeur de son rayonnement et surtout de sa vie intérieure. Cette petite femme semblait pourtant être dépourvue de tout. Une femme très ordinaire, très simple. On dira que toute cette histoire sur elle est impossible et une substitution de mensonges à répétition. On peut qu'être d'accord. Mais de toute façon, Dieu est présent et il agit. Il agit parfois d'une façon tellement spéciale qu'on pourrait dire qu'il fait alors tout pour nous éveiller et nous sortir de notre assoupissement spirituel. Ce que l'on retiendra de Marthe Robin, c'est qu'après tant d'années d'épreuves et de souffrances et de luttes acharnées pour essayer de continuer à vivre pleinement sa vie, elle aura, par sa souffrance,
une incroyable dévotion aux gens qui, eux, souffraient de problèmes qui leur semblaient être une montagne d'irrésolution. Alors que Marthe, elle-même, leur délivrait la clé de l'espoir par une connaissance qu'elle n'avait sans doute jamais appris, mais qui fut traitée comme un passe-muraille, si on peut en définir ce terme, d'aider les plus démunis, avec une aisance et une capacité si incroyables, grâce à l'union de Dieu qu'elle avait dans son âme.